Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Kex YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Brawl Stars. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve tout simplement pour essayer de rush avec un abonné qui est notre autre que Thoram. Voilà, n'hésitez pas à l'encourager. Hein. Voilà, on va aller voir son petit profil 9570. C'est pas mal, il a passé quelques brawlers à 500. Également, n'hésitez pas à rejoindre le clan, la team Crouton. On est 85 actuellement. Ça fait plutôt plaisir, vous avez l'identifiant du club si jamais vous n'arrivez pas à le trouver. Et du coup on est parti, dans la map Cric du Crâne, il a choisi, de jouer Dynamite. Donc moi je vais prendre mon petit Rico, parce que sinon Dynamite est vraiment pas mal sur cette map là, je vous le recommande. Voilà, Bartaba également peut être fort, mais Bartaba j'aime pas trop le jouer. On verra après si ça se passe mal et que le matchmaking est vraiment trop fort, on va peut-être changer de brawler. Parce que mon Bartaba il est quand même, mon Rico, il est quand même à plus de 600. Donc faut faire attention à ça quand même. Ok. Oh non, le Star Power de la mort. Là faut pas aller chercher les énergies, clairement. Pour Thoram, s'il va les chercher, c'est mortel. Ah, ah ouais, non, les deux Spikes, ils ont le nouveau Star Power là. C'est compliqué. Compliqué le nouveau Star Power. Ok, ouais, ils sont 7 eux. Compliqué, hein. La game va être assez compliquée, on va essayer de faire au moins un top 2. Ok, je vais lancer un ulti dans le vent, trop bien. Oh, Thoram, il va mourir. C'est compliqué là. Je peux rien faire. Je peux rien faire malheureusement là, c'est vraiment compliqué. On va changer de brawler hein, parce que Ricochet à 600 actuellement c'est peut-être un peu trop haut, on va dire. Vu que les gens qui sont à 600 c'est les anciens mecs qui sont chauds. On va jouer Bartaba. On va aller jouer la sécurité. Normalement ça devrait peut-être un peu mieux se passer. On va mettre un peu plus de pression je pense aux adversaires avec un double lanceur. Allez c'est parti. Hop. Ok, on va pouvoir récupérer deux box déjà. Est-ce qu'on va réussir à récupérer celle-là? Ça va être chaud. Ça va être chaud, ouais. Ça va être assez chaud. Ok, nickel. J'ai réussi à les récupérer. L'Anita, elle prend tarif. Ok, je m'en sors. Où Thoram il a pris une sale balle. J'ai pris une sale balle aussi. Ok. Ok, y a personne au mid, on va pouvoir peut-être s'y glisser du coup. J'ai pas touché du tout avec mon ulti, trop bien. Ok, l'Anita on l'a mis vraiment mal. Ok, on a quoi là-haut? Ok, Polly, on a Rico. Ok, la Polly elle s'est fait descendre. Ok. Ok, on s'en sort bien. Parfait. Je vais recharger ma vie, moi, pour le moment. Et maintenant, on peut aller finir.
Ok. Nickel. C'est un top 1 normalement là. Nickel. Parfait. Ok. On a rattrapé le top 4 qu'on a fait juste avant. Bon, en même temps, là, on a baissé matchmaking et on a pris un brawler déjà plus adapté à cette map. Ça fait la différence. Parce que clairement là, Ricochet, il est pas mal sur cette map. Mais franchement, les lanceurs sont vraiment OP. Genre Bartaba, Dynamike. Et après, il y a peut-être aussi notre ami Tick, mais Tick, le mien, il est pouvoir 3. Je l'ai déjà passé à 500. Je vais pas essayer de le remonter encore. Parce qu'à 500 pouvoir 3, c'est déjà assez complexe comme ça. J'avais ma Poli avant à ce niveau-là, mais ma Poli, je la maîtrisais beaucoup plus que Tick. Parce que Poli, même si elle faisait moins de dégâts, elle en faisait quand même pas mal. Donc c'était pas mal, c'était assez cool. Là, ça fait zéro dégâts en fait, hein, Tick. Ok. On essaie de suivre un peu où il va. Bon, bah voilà. Nickel. Il reste juste un Léon. Il va se rendre invisible. Ouais, il s'est rendu invisible. Ok, il a bien joué en vrai. Hein. Il a bien joué. Donc là-bas, on a un Dina, je crois. Ouais, Dynamike 3. Et c'est quoi le... Ok. Il a un peu forcé son ulti. Pardon. Ok, bon, eux, ils sont morts normalement là. 44 HP, ok. On va aller tuer le Dina en priorité parce que le Dina c'est celui qui nous met le plus la misère. Et puis voilà. Thoram s'est chargé du Brock derrière. Bon bah nickel hein. On fait une bonne petite session de rush là. C'est pas mal. Deux top 1 à la suite. Bah je vous l'avais dit, hein, mais il y a clairement. Dès que tu changes de brawler, ça se passe mieux. Et également, je voulais vous dire aujourd'hui, les gars, il n'y aura pas de live. Donc aujourd'hui, on est le mardi 30 juillet, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, pas de live aujourd'hui, normalement. Voilà. Juste comme ça. Également, merci les gars parce qu'on commence à gagner des abonnés même quand on fait pas de live. Ça fait plaisir. On est actuellement à 1832, ce qui est assez ouf. Donc merci beaucoup. Ouf, le petit Dynamike là-bas, il fait pas plaisir. Ok, le Brock, lui, par contre, il régale. Le Léon, il est mort. Ok, nickel. On met la pression à un peu tout le monde, même si on n'est que 3 en énergie. Ok, là j'ai lancé j'ai fait un beau tir, j'ai touché les deux. Ok, là on va y aller. Hein. Oh là, c'est abusé parce qu'il a auto-aim. Thoram qui rate. Dommage, l'ulti peut-être pour finir. Ou Thoram, il est clairement dans le mal. Ok. L'autre Dynamite qui est en bas, là, il était pas foufou. Heureusement, parce que sinon, il aurait très largement pu nous tuer. Définitivement, Outoram qui va être pris en focus là peut-être. Non, ça va. Ok, on envoie la charge. Oh, il m'a touché. Ok. Compliqué là, ça va être. Ça va être compliqué là. Oh, en vrai, le Dina là-bas, il est dans le mal, hein. Oh, il est mort. Nickel. Oh mec, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh Thoram, qu'est-ce que tu fais Thoram? Ok, j'essaie de m'en sortir tranquillement. Ok, le Dynamax 5, il est pas mort. Ok, là il est mort. Ah mince, je voulais ulti en même temps qu'il m'a ulti le Dina. Parce que je voulais pas faire d'équipe en fait. Je voulais juste attendre le bon moment pour placer un ulti. J'allais placer l'ulti pile au moment où il m'a envoyé sa grosse bombe. J'ai trop le seum.
Vous inquiétez pas les gars, j'ai pas changé, je voulais pas tricher, je voulais juste tuer le Dina qui était 5 et ensuite m'occuper du Dina 0 pour bah, tout simplement essayer de faire en fait, je voulais juste mettre hors d'état de nuire un petit peu le comment ça s'appelle, le Beau, parce que du coup le Beau il se serait chargé d'essayer de survivre pour son coéquipier respawn et qu'il prenne pas le risque de faire un top 3. Mais du coup bah, il attendait que ça l'autre Dynamite parce que dès que je l'ai tué, il s'est chargé de moi. Donc c'est dommage, parce que j'avais prévu de l'ulti, mais salement. Ok. Il y a beaucoup de Shelly là, on a une double Shelly, on a un Shelly Colt. Nice. Ça j'aime bien, tu vois. Hop. Si je la touche, elle meurt. Oh, le Colt. Oh, le Colt, il a pas pris. Oula. Wouah, la Shelly, elle est dans le mal. Atoram aussi, il y a une Nita qui le chase là. Il y a un Franck. Ah, j'ai essayé de me défendre comme je pouvais pas. J'ai essayé de placer. Dommage, le Colt, il aurait pu me sauver, mais j'ai pas compris le Franck justement. Le Franck, il s'est dit, vas-y, je l'ulti, je le tue. Sauf que derrière, il est mort. Donc ça avait pas trop trop d'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va faire peut-être encore une ou deux games. Oh là, il y a pas mal de box au mid. En vrai, il y a des positions qui sont vraiment bien avantageuses par rapport à d'autres. Genre, tu vois, celle qu'on a à gauche, je crois que c'est la plus avantageuse du jeu. Hein. Sur cette map-là, je crois que c'est la plus avantageuse parce que tu arrives le premier au box du mid. Et les box du mid, quand il y en a masse, c'est tellement incroyable. Aïe, 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 aïe. On a pris un peu tarif là. Mince, j'ai pas fait attention à Inta. Oh, le focus, il est chaud. Hein. Là, c'est chaud par contre. Être pris en focus par deux mecs comme ça. Ah, en vrai, Thoram, là, il y a moyen de s'en sortir. Hein. Thoram, il y a clairement moyen de s'en sortir par contre. Ah ouais, la Nita qui vient là, par contre, c'est chaud. Belle. Oh, les dynamites, elles sont pas mal. Là, c'était bien placé. La petite pression en mettant l'ulti en préparation. C'était le GG là. Il a géré. Oh punaise, la Polycette. Et one shot hein, du coup. Ok, Thoram qui s'en sort encore bien parce que moi je fais un peu de la merde. Enfin, je fais de la merde. Compliqué quand tu sais pas qu'il y a une Poly dans la game et qu'en plus elle laisse une Polycette qui peut te one shot. C'est compliqué. Au moins j'ai mon ulti. On va aller s'occuper un peu de ceux qui sont là-haut, je pense, non? Ah, y'a personne. J'ai pas touché. Pardon? Ah si. Mais c'est juste parce qu'il est revenu dans mes flammes, sinon je le touchais pas, ok. Alors la poly elle est où? Tu veux quoi poly? Ouais, je peux rien faire encore. Une fois de plus, là c'est très compliqué parce qu'on est la seule team qui est en train de se fight et on est pris en focus par celle qui a 7 d'énergie. Donc c'est compliqué, allez, on va se faire une dernière partie. Ah, on n'a pas réussi à bien rush là, c'est dommage. Je crois que c'est la première fois qu'on réussit vraiment à faire zéro trophée quasiment avec un abonné, c'est dommage. C'est clairement, clairement dommage, mais bon, c'est comme ça. Regardez les attaques parce que voilà. On essaie de repousser un petit peu les adversaires. Nickel. Si je retouche encore une fois, j'ai mon ulti normalement. On va essayer de leur bloquer la route. Ok, nice. Oh, très belle ulti de ma part là. Là, j'ai joué un très bon ulti. J'ai touché les deux en même temps. Ça a tué l'un des deux. L'autre, il était low. Ok, il n'y a personne au mid. Ouh, le Colt, il aurait pu me mettre une Bastos là. Ah, c'est eux qui vont me mettre une Bastos. À chaque fois, tu vois, on est pris en focus par la team qui a toutes les énergies, gros. C'est abusé. Hein. Alors, tu vois, sur qui est-ce qu'ils viennent? C'est sur nous.
Alors gros, deux teams sur nous, hein. Il y en a une à 9 d'énergie, une à 0, mais celle à 9, elle suffit à nous tuer en fait, quasiment déjà. On peut rien faire gros, c'est abusé. Regarde, Thoram il s'est pris deux bombes géantes de Dina en même temps. Oh il fait le kill. Oh c'est insane. Franchement Thoram si tu gères... Oh non il meurt. Oh Thoram. Oh Thoram qui gère le top 2. Franchement là GG Thoram parce que le focus était ultra chaud mais il a géré. Il a géré, ça fait plaisir. Du coup je sais pas combien de trophées on a pu prendre au total. On a dû prendre 12 trophées peut-être. Un truc comme ça. Attendez, au pire, on va regarder le journal de combat, ça sera plus simple. Alors, on a commencé ici. Alors, moins 6, 3, 12, 2, 9. On a pris 9 trophées. Bah, c'est pas mal. C'est déjà ça de pris. Bon, en tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour le prochain live ou la prochaine vidéo. Salut, salut!